Coucou. Comment allez-vous mes chers abonnés et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réaction direction la Corée du Sud pour un tout nouveau girls group coréen qui débarque, qui se nomme Light Sum et leur tout premier titre Vanilla. Alors j'ai vu quelques extraits, c'est très coloré, ça fait très été avec genre de la glace etc. Au refrain, ça m'a l'air vraiment mais très rythmé. Je pense que c'est un début que je pourrais apprécier, surtout qu'on a eu des groupes rookies qui ont débuté il n'y a pas longtemps, genre Pixie ou Bling Bling que j'ai adoré. Ou Bling Bling, je pense qu'ils avaient déjà fait une chanson. Enfin soit, il y a eu plusieurs girls groups qui ont débuté et pour le moment j'aime vraiment beaucoup les nouveaux girls groups. Donc là, un nouveau girls group, bah pourquoi tout simplement pas réagir à une nouvelle découverte et qui sait peut-être un nouveau coup de cœur. Et c'est parti. Oh. J'aime beaucoup ce qu'ils font avec le zoom. Ok. Ouh, le make-up est très joli, très coloré comme j'aime, hein. Dans les couleurs néon, un peu de pastel, hein, de temps en temps. Ok. Le son est pas mal, hein. Je vais t'hypnotiser. Ok. Je suis impatiente pour entendre le refrain quand même. Ouais, ça donne envie de... Ok. Ça, j'attendais ça, moi. Un peu breakdance d'un coup, là, niveau son également. Ok, rappeuse. Ok, deuxième rappeur. Pas mal. Vous avez vraiment ce côté de jeune groupe, jeune fille, un petit peu prude et tout. Et puis ce côté vraiment rythmé, badass, un petit peu après le refrain là, j'aime beaucoup. Ouais, c'est pas mal pour un début, hein. J'aime beaucoup le refrain en tout cas. Là, franchement, ça c'est la partie que je préfère dans la chanson, quoi. Oh. Il y a beaucoup de références au film. Hein. Vous avez très vite le refrain en tête. Hein. Est-ce qu'on aura de nouveau cette partie que j'aime? Eh bien, que dire de leur début? Ah bah personnellement, j'ai beaucoup apprécié du MV. J'aime énormément ceux qui me connaissent depuis quelques temps. J'aime énormément les couleurs. Franchement, beaucoup de couleurs néon, mais un petit peu dans les couleurs pastel également. Ça allait vraiment avec cette ambiance festive été
qu'on a en ce moment. Tout ce qui est glace, enfin, il y avait tellement d'objets, enfin, les décors sont superbement bien faits, il y avait tellement de détails et tout que tu à la fin tu savais plus où te donner la tête, mais franchement, esthétiquement parlant, certes à cause de la Covid plus intérieur, mais perso ça allait très très bien avec l'ambiance de la chanson et franchement très très bien la styliste, elle a fait du bon taf, elle a bien mis en valeur chacune des membres, j'ai adoré, et même le make-up. Chapeau. Au niveau de la chanson, franchement j'ai beaucoup apprécié. Au début j'étais un peu débutatif parce que vous avez vraiment des transitions tout le long de la chanson, que ce soit le début avec le premier couplet, puis le refrain, et puis le refrain qui est d'un coup rythmé comme j'aime, franchement cette partie j'ai surkiffé, puis d'un coup vous avez ce couplet mais qui est un peu différent du premier, de nouveau ce refrain qui me semble légèrement différent du premier mais encore avec cette partie que j'aime, de nouveau couplet un peu différent, et puis ce refrain en boomerang de nouveau, et puis de nouveau la partie que j'aime mais un peu différente. Donc je pense que tout le long de la chanson vous avez eu des transitions mais différentes, mais perso ça m'a pas dérangé, je trouve que c'est quand même bien homogène, j'ai vraiment apprécié. Il y a vraiment des tessitures de voix dans les chanteuses qui sont intéressantes. Au niveau chorégraphie j'ai beaucoup aimé, beaucoup de choses, des gestuels avec leurs mains qui étaient sympatoches à voir à travers écran. Et au niveau, il me semble qu'il y a deux rappeuses. J'aime beaucoup plutôt la première rappeuse qui a commencé son premier rap. La deuxième n'avait pas beaucoup d'interactions et beaucoup de lignes, je trouve. Mais en tout cas, ouais, c'est un groupe qui a beaucoup de potentiel. Et j'ai vraiment hâte d'écouter leur premier mini-album et hâte de voir ce qu'ils peuvent nous faire dans le futur. Et en même temps, voir en live l'intégralité de la chorégraphie parce que, comme je le disais, j'ai bien apprécié. Donc dans l'ensemble, pour moi, c'est vraiment un premier comeback, un premier début de leur part, assez réussi. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié les débuts de ce nouveau girls group qui débarque. Également, cette vie très colorée, la chanson. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouverai très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, s'il vous plaît, restez... Et surtout, s'il vous plaît, prenez soin de vous et de votre famille. C'est ce qui est le plus important. Au revoir. Bye bye, c'est Sayonara.